Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Dans l'actualité ce soir, l'Église catholique sort de son silence au Burundi. Dans une déclaration, la Conférence des évêques catholiques dénonce des irrégularités lors des élections du 20 mai dernier. Nous verrons les effets économiques de la pandémie du COVID-19 qui frappe principalement les jeunes. Selon l'Organisation internationale du travail, nous irons également à Abidjan où, malgré l'assouplissement des mesures de confinement, les restaurants peinent à faire revenir leur clientèle. Ici aux États-Unis, Donald Trump menace de fermer les réseaux sociaux après le signalement la veille par Twitter de deux de ses messages comme trompeurs. Une fois encore, bonsoir. La conférence des évêques catholiques du Burundi a dénoncé mardi soir beaucoup d'irrégularités ayant affecté la transparence et l'équité des élections générales du 20 mai dernier. C'est du moins ce qui ressort d'une déclaration de son président, Mgr Ntahongdereye. Ces élections ont vu la victoire contestée par l'opposition du candidat du parti au pouvoir, le général Évariste Ndayishimiye. L'Église catholique, qui a pu déployer quelques 2700 observateurs le jour du scrutin, dénonce, entre autres, l'exclusion de mandataires et d'observateurs des lieux de dépouillement du scrutin ou encore l'intimidation et les contraintes exercées sur certains électeurs. En RDC, au moins 38 civils ont été massacrés au cours de plusieurs tueries depuis vendredi dernier par le groupe armé ADF dans l'est du pays, selon des sources onusiennes. Des sources locales avancent un bilan encore plus lourd avec une quarantaine de civils tués rien qu'entre lundi et mardi aux confins des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Trois militantes de l'opposition zimbabwéenne qui accusent la police de les avoir enlevées et torturées vont être poursuivies pour participation à une manifestation interdite en période de confinement anti-coronavirus. C'est ce que dénonce ce mercredi l'ONG Avocat du Zimbabwe pour les droits humains. Le rassemblement auquel participaient les trois jeunes femmes le 13 mai visait à dénoncer les difficultés de nombreuses familles qui peinent à manger à leur faim depuis l'instauration fin mars du confinement contre la pandémie de COVID-19. Le gouvernement a catégoriquement nié ces allégations. En Côte d'Ivoire, les autorités ont assoupli les restrictions imposées pour lutter contre le COVID-19. Les restaurants et maquis sont autorisés à rouvrir, mais la reprise est timide à Abidjan, la capitale économique du pays. Au grand désespoir de ces restaurateurs qui espèrent pourtant combler les pertes occasionnées par le confinement. Mouamadou Mfa fait le point. Les restaurants et maquis d'Abidjan sont autorisés à rouvrir depuis le 15 mai dernier. Pendant 52 jours, ils ont dû fermer pour se conformer à une série de mesures prises par les autorités pour contrer la propagation du nouveau coronavirus. De nombreux Abidjanais sont soulagés. Je suis heureuse parce que les mesures sont allégées un peu. Ça nous permet aussi de pouvoir rester en contact avec nos amis et pouvoir resserrer les liens qui étaient perdus en quelque chose. Mais il faudra sans doute du temps pour que les Abidjanais renouent avec leurs habitudes avant le confinement. Les restaurateurs observent pour le regretter que leurs consommateurs traînent encore les pieds. On a repris, mais c'est comme si on jetait aussi la clé parce que on n'a pas de stock. Chaque matin, quand je viens, je fais un peu de marché pour qu'on puisse reprendre. J'ai commencé le lundi. On a dû reprendre le vendredi, mais je ne pouvais pas parce qu'il faut désinfecter le coin. Ça coûte de l'argent, c'est ce qu'on a pu faire. Et c'est le lundi que j'ai ouvert, mais c'est difficile, quoi. C'est difficile. Parce qu'on n'a vraiment pas les moyens pour pouvoir redémarrer. Pendant les 52 jours de confinement, certains restaurants ont subi de lourdes pertes, les privant de fonds nécessaires pour poursuivre leur activité.
Cela ne sera pas sans conséquence pour la suite. Ça fait du bien parce que être comprimé, c'est pas très agréable. C'est vraiment pas agréable. Et quand on sort un peu, on se retrouve tout le monde là dans la gaieté. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Le feu vert donné aux restaurateurs est assorti de conditions. Ils devront continuer d'appliquer des mesures barrières de lutte contre le Covid-19. Par exemple, respecter la distanciation physique et donc séparer les tables et accueillir moins de monde, ce qui aura un impact sur leurs revenus. Perdre un proche est déjà assez difficile. Le perdre des suites de Covid-19 l'est encore plus. D'autant plus qu'il est difficile et parfois impossible d'assister à ces funérailles en raison de mesures de distanciation sociale. Dans les communautés musulmanes des États-Unis, indonésiennes notamment, l'on a parfois recours au numérique pour les rites funéraires. Reportage de Yuni Salim et Valdia Baraboudri. Mouhamadou Oumfa, une fois encore, raconte. De nombreux musulmans vivant aux États-Unis sont originaires des pays comme le Pakistan et l'Indonésie. En tant que minorité ethnique et religieuse, ils s'organisent en communauté avec pour point d'attache les mosquées et les centres islamiques. C'est donc naturellement que les membres se soutiennent lors des tragédies comme les décès causés par le Covid-19. Mais les mesures de confinement ont changé la donne. C'est dur. Nous sommes tristes parce que les familles ne peuvent même pas aller voir les corps de leurs proches. Avant la pandémie, l'inhumation des disparus, qui se fait dans les 24 heures selon la tradition musulmane, était précédée par un cérémonial. En temps normal, nous aidons à faciliter et à organiser les funérailles de nos membres. Mais cela est désormais difficile, voire impossible, du fait des restrictions imposées par les autorités pour lutter contre le Covid-19, des mesures de confinement et de distanciation sociale en vigueur dans plusieurs États, dont la Californie. Personne ne peut accompagner le corps. De l'hôpital, ils amènent la dépouille directement au cimetière. Dans notre cas, ils amènent les corps dans les cimetières musulmans. Néanmoins, certaines communautés musulmanes ont trouvé une alternative. Nous organisons les rituels à travers Zoom. Le soir après l'enterrement, nous nous connectons et lisons le Coran avec un prédicateur se trouvant en Indonésie et nous prions pour le défunt. Les communautés musulmanes d'origine indonésienne ont enregistré plusieurs morts de Covid-19. La plupart des décès ont été confirmés dans des foyers de propagation de la maladie en Californie, à New York et dans le New Jersey. Les jeunes sont les principales victimes du marasme économique né de la pandémie du Covid-19. C'est ce que révèle l'Organisation internationale du travail dans une étude publiée ce mercredi. Selon cette étude menée par l'OIT, un jeune de moins de 29 ans sur 6 a arrêté de travailler depuis l'apparition du Covid-19 et se retrouve donc sans emploi. Et ceux qui ont conservé leur travail ont vu leur temps de travail diminuer de 23%. Et puis, la France a décidé ce mercredi de bannir la très controversée hydroxychloroquine pour traiter le Covid-19 après des semaines de débats sur l'efficacité de ce médicament et la publication d'une étude pointant ses dangers. Donald Trump a menacé ce mercredi de réglementer ou de fermer des plateformes des réseaux sociaux après le signalement la veille par Twitter de deux messages du président américain comme trompeurs et véhiculant des informations non vérifiées. Souvent accusé de laxisme dans son traitement des propos tenus par des dirigeants, Twitter a signalé pour la première fois mardi des messages de Donald Trump en ajoutant la mention « vérifier les faits ». Il s'agissait notamment d'un tweet du milliardaire affirmant que le vote par correspondance était nécessairement frauduleux. Et puis, des centaines de personnes se sont rassemblées mardi soir à Minneapolis pour dénoncer la mort en détention de George Floyd. Floyd, un noir américain, a été épinglé au sol par un officier qui a mis un genou sur son cou pendant environ 8 minutes lors d'un incident qui a été capturé sur vidéo où l'on peut entendre Floyd supplier en vain l'officier blanc. L'émotion et la tension étaient donc vives. Des policiers en tenue anti-émeute ont affronté des manifestants et tiré des gaz lacrymogènes. Cet incident a entraîné le licenciement de 4 officiers.
Et pour mieux comprendre cette situation et surtout les rapports entre la police et les Noirs ici aux États-Unis, Arzuma Compaoré s'est entretenue avec René Lec, analyste politique basé ici même à Washington. Suivons plutôt. George Floyd lui-même, cette victime dont nous parlons, se met à dire qu'il ne peut pas respirer. Et ça rappelle bien entendu en 2014 Eric Garner qui 11 fois lui également a dit « je n'arrive pas à respirer ». Et bien entendu, malheureusement, le sort des deux a été le même. George Floyd aujourd'hui, Garner il y a 6 ans, tous les deux sont morts alors qu'absolument rien ne le justifiait. Il n'y avait aucun acte de violence. Le racisme dans ce pays est extrêmement profond. Ça passe par l'éducation, la santé. On est en pleine crise du Covid, comment expliquez-vous que plus de 40% des victimes soient justement des Noirs et des Latinos? Donc le racisme dans ce pays est structurel et systémique, et je crois qu'il faut qu'on prenne cela à bras le corps et il faut absolument que les choses changent. Ça ne peut pas continuer comme cela. Il y a des institutions qui devraient pouvoir garantir aux Noirs, aux Africains, aux êtres humains un minimum de protection, ne serait-ce que la protection de sécurité, la protection physique. Aujourd'hui, avec justement le phénomène des smartphones un peu partout et tout le monde sort le téléphone à tout moment, on a maintenant mis le doigt sur la plaie. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être une des façons que tout ça va changer peut-être en intensifiant justement ce vigilante? Oui, absolument. Et c'est là où vraiment la technologie nous sert énormément. Et c'est pour ça que je suis confiant, parce que bon, le monde, les choses progressent. La situation du racisme aujourd'hui, elle est moins violente et moins criarde, comme je le disais, que par le passé. Les choses vont dans la bonne direction, mais c'est beaucoup trop lent. Et c'est sûr que la technologie, de ce point de vue-là, aide. Imaginez la situation de George Floyd. S'il n'y avait pas eu les différentes vidéos, celle des passants d'abord, ensuite celle des magasins du magasin qui était à côté, qui a pu, la caméra de surveillance, qui a pu filmer la scène qui précède le moment où il a le genou sur le cou. Si on n'avait pas eu ces caméras-là, on s'en serait tenu à la déclaration, à la fausse déclaration, au mensonge et à la manipulation du département de la police. Et puis bon, là on serait passé, ça serait passé en perte et profit. On n'en aurait plus parlé. Donc c'est sûr que les technologies, les nouvelles technologies aident beaucoup dans la dénonciation de ces actes racistes absolument ignobles. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA. Everybody, 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 ever
Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie du Monde aujourd'hui. John Lydon, de retour avec vous. Notre série « À quand la reprise se poursuit ?» Nous partons ce soir à Yaoundé au Cameroun pour faire la connaissance de Bakina Gracias Roberto, secrétaire exécutif au sein de l'association Un diplômé, un champ, qui encourage les jeunes à investir dans le monde rural, y compris la viticulture. Comment se porte son business? Vend-il assez de poulets pour subvenir à ses besoins? Les réponses dans cet élément que nous propose Emmanuel Juntap. Un diplômé, un champ, c'est une association qui vise la vulgarisation agricole auprès des jeunes diplômés à travers la mise en place des fermes et champs communautaires. Justement, dans le cadre de nos objectifs, nous avons mis sur pied une ferme de 700 sujets et c'est moi qui étais le principal pilote de ce projet-là. Lorsque le Premier ministre a annoncé le 18 mars les mesures pour le confinement, nous en étions rendus au 48e jour par là. Oui. Et on avait déjà quand même commencé à écouler. Mais puisque les gens étaient déjà tellement apeurés, nous-mêmes avec, il y a eu un certain relâchement même dans le déploiement de notre équipe. Parce qu'au départ, on n'avait pas visé les revendeurs. On avait plus visé des particuliers. Et au vu des annulations, des fêtes, des rassemblements de plus de 50 personnes, les gens ne pouvaient plus organiser les fêtes. L'impact s'est directement ressenti sur l'activité agricole que nous menons. Bon, pendant le confinement, comme tout le monde, on a essayé avec le télétravail. Mais ce n'est pas toujours évident, parce que ces choses, elles doivent être planifiées à l'avance. Si nous avions réellement investi dans la digitalisation bien avant, peut-être que les choses se seraient mieux passées. Mais aujourd'hui, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que ça nous permet de mieux gérer les défis futurs. Donc, actuellement, nous sommes réellement lancés dans la digitalisation et nous sommes en train de vouloir anticiper, peut-être nous aurions dû le faire beaucoup plus tôt, pour être au début et à la fin de la chaîne. C'est-à-dire, nous voulons produire et puis avoir des rôtisseries. Nous n'avons reçu aucune aide, en tout cas pas celle du gouvernement. Et on a mis sur pied un système d'accompagnement. C'est-à-dire, il y a des jeunes qui nous suivent, qui sont sensibles à ce que nous faisons et qui peuvent mettre un ou deux sous pour que les activités aient lieu. Et nous retrouvons tout de suite Yacouba Ouédraogo dans un segment qu'il affectionne, c'est bien le sport. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette rubrique sportive, toujours dans le confinement. Nous nous rendons tout de suite au Sénégal pour parler de football. La Fédération sénégalaise de football hausse le ton. Elle a indiqué que les clubs qui s'entêteraient à ne pas prendre part aux play-offs et aux play-down, comme l'a arrêté le comité d'urgence, seront sanctionnés. Cette nouvelle formule adoptée pour boucler le championnat commencera en novembre prochain. En quoi consiste-t-elle? Le président de la fédération explique. Nous avons arrêté juste au moment où il fallait observer la trêve de mi-championnat. Donc il reste encore 13 journées à jouer, notamment en Ligue 1 et en Ligue 2. Et à peu près le même nombre de matchs dans les autres divisions, puisque nous en avons 5. La décision finale qui a été arrêtée après concertation avec les acteurs à travers les structures intermédiaires, mais aussi l'autorité de tutelle, nous avons choisi de repousser la reprise du championnat au mois de novembre, avec cette particularité que pour pouvoir éviter
de trop impacter la saison 2020-2021 qui suivrait. Il était plus indiqué de changer de formule pour terminer les phases retour sous forme de play-off et de play-down, de sorte que c'est les équipes qui sont dans la première partie du championnat qui évolueraient au play-off pour jouer le titre. Les autres seraient affectés au play-down pour jouer le maintien et éviter la relégation. Donc c'est comme ça que ça a été conçu. En Europe, soulagement pour Zlatan Ibrahimovic et l'AC Milan en Italie. Le Suédois s'est finalement blessé au mollet et non au tendon d'Achille comme c'était redouté hier lors d'un entraînement. Le tendon d'Achille est parfaitement intact, a déclaré le club milanais dans un communiqué. Les médias sportifs italiens qui ont révélé la blessure de Zlatan Ibrahimovic avaient parlé d'une possible atteinte du tendon d'Achille. Ibrahimovic, 38 ans, a rejoint l'AC Milan lors du mercato d'hiver. Il s'était déjà blessé à un mollet à la fin du mois de janvier et avait manqué une dizaine de jours de compétition. Ici aux États-Unis, je vous en parlais la semaine passée, les choses se précisent pour la reprise de la NBA. La Ligue nord-américaine de basketball est en pourparlers avec The Walt Disney Company au sujet du redémarrage de sa saison fin juillet à Disney World en Floride. Le plan potentiel verrait la Ligue organiser des matchs sur un seul site, le complexe Wild World of Sport d'Orlando, qui dispose de 3 plateaux et d'hôtels. Notre priorité reste la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées et nous travaillons avec des experts en santé publique et des représentants du gouvernement sur un ensemble complet de lignes directrices pour garantir la mise en place de protocoles médicaux et de protection appropriées, a déclaré Mike Bass, porte-parole de la NBA. Il reste encore 82 matchs pour boucler cette saison. Un chiffre dans cette rubrique, 37,4 millions de dollars, c'est le revenu annuel engrangé en 2019 par la joueuse de tennis japonaise de 22 ans, Naomi Osaka. Celle qui a remporté 2 tournois de Grand Chelem est devenue la sportive la mieux payée de l'histoire en 2019, détrônant ainsi Serena Williams selon le magazine Forbes. Les 2 athlètes font tomber le record de la Russe Maria Sharapova, quintuple vainqueur en Grand Chelem qui a pris sa retraite en février et a empoché 29,7 millions de dollars en 2015. Osaka pointe à la 29e place au classement des 100 athlètes les mieux payés établi par Forbes, 4 places devant l'américaine Serena Williams et ses 23 titres de Grand Chelem, l'athlète féminine la mieux rémunérée ces 4 dernières années. Le magazine a par ailleurs indiqué que la liste, qui sera publiée entièrement cette semaine, n'avait pas compté 2 femmes depuis 2016. C'est tout pour cette rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mercredi prochain. Bye bye. Lorsque le programme spatial de la NASA a pris fin en 2011, peu de gens pensaient qu'il faudrait presque 9 ans aux astronautes américains pour se remettre en orbite à partir du centre Kennedy en Floride. Une nouvelle ère spatiale s'ouvre donc ce mercredi avec le lancement par la société SpaceX de 2 astronautes de la NASA dans l'espace. Les explications de Kane Farabot, correspondante de VOA, avec le récit de Gabi Dorsil. Même en utilisant les outils du planétarium Adler de Chicago, le directeur de l'astronomie, Geza Giyok, admet qu'il y a une limite à ce qu'il peut voir et faire pour comprendre le cosmos. Nous avons un télescope de 24 pouces à l'arrière du planétarium Adler. Ce n'est pas un endroit idéal pour observer à cause de toute la pollution lumineuse de Chicago. C'est pourquoi il dépend des expériences et des équipements déployés dans la Station spatiale internationale pour l'aider à observer non seulement l'univers de façon nouvelle et différente, mais aussi la planète Terre vue d'en haut. C'est une partie importante de son travail qui était limitée depuis la fin de l'ère des navettes spatiales, laissant les États-Unis dépendants des Russes. Depuis 2011, les Soyouz étaient les seuls taxis spatiaux disponibles. Guillaume est donc très enthousiasmé de voir les astronautes décoller. Je vais les regarder en direct et profiter du spectacle. Lorsque les 2 astronautes vont décoller, atteindre l'orbite, puis se retrouver à la Station spatiale internationale, ils le feront dans un système partiellement financé, mais non produit, par la NASA. La NASA ne va pas acheter, posséder ou exploiter le matériel. En fait, nous allons être un client. Nous allons acheter un service. Le service et le matériel, une fusée Falcon 9 et un vaisseau Crew Dragon, sont fournis par SpaceX, la première de plusieurs sociétés privées dans la course spatiale. Pour l'astronaute à la retraite Nicole Stott,
Cela va rendre aussi l'espace plus accessible. Je pense que le modèle commercial de l'une de ces sociétés qui travaillent avec la NASA dépendra de leurs activités en dehors des seuls astronautes de la NASA. Cet modèle commercial dont Geisa Giok espère qu'il pourrait nous permettre de faire plus que regarder simplement les étoiles à partir du planétarium Adler. C'est vraiment excitant parce que cela signifie que l'entreprise SpaceX peut également vendre des sièges à d'autres personnes, comme peut-être un jour moi, si je veux aller dans l'espace. Et je trouve cela vraiment excitant parce que cela va ouvrir l'espace à tout le monde, finalement. L'agence teste actuellement une fusée et une capsule de nouvelle génération qui ramèneront les astronautes sur la Lune et les emmèneront finalement sur Mars. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Portez-vous bien, protégez-vous et surtout, passez une excellente soirée. Show me the Mr. Supiano. You know what it is? The Americans. Get it on.